veux-tu briser? La force. En qui? Louez-le, louons-le pour son
Alléluia. Alléluia. Magnifique est ton nom, Seigneur, que ton règne demeure parmi nous encore, Seigneur, encore et encore. Alléluia. On est là pour lui. Il ne faut jamais l'oublier. Alléluia. Nous sommes là pour lui. Nous voulons qu'il soit magnifié, élevé encore. Vous savez, quand on adore le roi, je ne sais pas ce que ce soit dans vos cœurs, mais quand on est dans sa présence, il y a beaucoup de choses qui se passent. Personne n'est comme Jésus.
On allait dans les boîtes de nuit, on dansait pour l'autre. Hein. Parfois dans le Seigneur, on a honte, on se dit, bon, qu'est-ce que les voisins vont dire? La parole nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Louent Yahweh. Voilà, c'est comme ça que nous essayons de le louer. Et pendant l'éternité, ça va être glorieux, hein? N'est-ce pas? Dans la Nouvelle Jérusalem. Qui veut partir avec le Seigneur? Qui veut partir lors de l'enlèvement de l'Église? Waouh! Tout ce monde. Hier à Genève, nous étions agréablement surpris par le Seigneur de voir tous ses frères et sœurs. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Hein, Benoît? Il n'y a pas de bombe ici. Hein? Vous savez, nous devons beaucoup prier pour la France parce que ça va de plus en plus être dur. Cette troisième guerre mondiale entre l'islam et le judaïsme se profile de plus en plus. Il y aura de plus en plus de fusillades, de plus en plus de troubles, de plus en plus de déplacements des peuples. Et il faut vraiment que l'on se prépare. Et il n'y a pas seulement la France qui sera de plus en plus touchée, ni l'Europe, mais c'est le monde. Il y a beaucoup de pays africains qui sont également touchés par les attentats. Et le maître est en train de revenir. Tout ce sang versé. Au nom d'une quelconque religion. Heureusement que notre Dieu n'est pas comme ça. Yeshua dit, nous devons prier pour nos ennemis et bénir ceux qui nous maudissent. Dieu revient. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut faire, mais ce que je ressens dans mon esprit depuis quelques temps, depuis quelques jours, c'est qu'il y a vraiment une urgence par rapport au retour du Mashiach. Hier, on a pu voir ces hommes et ces femmes qui étaient attirés par le Seigneur, des Suisses, des gens de tout horizon qui étaient là et qui, on se disait, bon, ça va être un petit programme, mais là, on a vu ces hommes et ces femmes qui avaient soif. Un monsieur suisse est venu me voir. Il me dit, alors que le programme n'avait même pas encore commencé, il me dit, je vais me faire baptiser tout de suite. Wow.
C'est glorieux. On a tellement été encouragés qu'on se dit, ben, on repart là-bas le 5 et le 6. Nous sommes allés à Libreville, comme vous le savez certainement aussi. Nous étions là-bas à mission. En février 2015, nous sommes allés là-bas. Il y a eu près de 400 baptêmes. Et on est reparti au mois d'août 2015, toujours. 480 baptêmes à peu près. Et on est reparti là au mois de janvier, là, 220 baptêmes. Il y a le chef de la police nationale là-bas est venu, il s'est mis à genoux. Il a demandé le baptême, on l'a baptisé. Un sénateur est venu nous voir là où nous étions. Il est venu déposer, répandre son cœur devant le Seigneur. Et il se repentit. Et un colonel touché. Et là, hier, avant-hier, on m'appelle pour me dire que le ministre de l'Information a suivi le documentaire que les frères ont. Ils ont fait un montage là-bas sur Christ, mystère révélé. Et voilà. Et ce ministre est touché. Donc, il se passe des choses. On se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on ne fait rien pour. Rien. Pourquoi êtes-vous là? Parce que vous aimez Jésus? Waouh, je ne sais même pas quoi dire. Comme vous, hein, on est là, on se dit, bon, hein, comme d'habitude, hein, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois vraiment que le temps de l'Europe est là. Il y a beaucoup, beaucoup d'Européens qui se tournent vers le Seigneur. Mes amis, bientôt nous allons partir. Ah ouais. Pour l'éternité. Nous serons dans les bras du Père. Nous verrons ses yeux. Nous allons passer notre éternité dans la louange. Qui veut quitter ce monde? Pas pour se suicider, mais se retrouver dans la présence de Dieu. Parce que si tu te suicides, c'est pas là-haut hein, que tu vas aller. C'est en bas. Qui est fatigué? La fatigue par rapport au monde, hein, ce qui se passe, tout ça. Ouais. Hein? Waouh. Et on voit comment Dieu touche de plus en plus des gens, comment il guérit de plus en plus. Au Gabon, il y a un jeune homme de 22 ans. Il est devenu aveugle comme ça du jour au lendemain. Et il s'est dit, non, Dieu peut me guérir. Alors, des frères sont allés prier pour lui. Son œil droit était guéri. Et il restait l'autre. Alors, un dimanche comme ça, pendant qu'on prêchait, le Seigneur l'a visité, personne ne l'a touché. Le Seigneur l'a visité, puis l'autre œil s'est ouvert, guéri. Une femme qui avait le sida, qui était là, qui se disait, moi, je peux être guéri par le Seigneur. Et personne ne lui a imposé les mains. Et puis, le Seigneur l'a guéri, elle est allée faire des examens, elle est revenue, il n'y a plus de sida. Des gens qui viennent comme ça, qui se disent, on veut le baptême, même au niveau de Paris. Des frères me disent, mais les gens débarquent de partout à chaque fois. Parfois, on arrive comme ça au bureau, on trouve des gens devant. On leur dit, mais c'est pas ouvert aujourd'hui. Ils disent, ah, c'est pas notre problème, nous venons le baptême. D'autres viennent, ils disent, bon, on sait que c'est pas ouvert, mais on veut confesser nos péchés. Waouh! D'autres rapportent leur gris-gris, tout ça. On se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il agit. Qui est encouragé par tout ce que Dieu fait? Nous tous, hein? Excusez-moi parce que je ne sais pas quoi faire. Devant l'œuvre du Seigneur, on est là, on se dit, waouh! Hein Loïc? On ne sait plus. De plus en plus, des gens se lèvent pour détruire ce message.
Mais plus ils le font, plus Dieu libère son peuple. Une femme ministre appelle comme ça d'un pays africain, dit non, venez, venez, venez ici, venez dans notre pays. Il y a d'autres ministres qui sont là, qui attendent le message. Et là, ben, on part dans ce pays, on part au Togo, en mars, pour ceux qui ont à cœur de venir avec nous en mission, au Togo. Des gens touchés, des généraux touchés, des colonels touchés, tout, mais comme ça, facilement. Et je crois que le Seigneur va surprendre quelqu'un ici. Toi qui fuyais l'appel, je parle à quelqu'un, c'est l'heure, c'est le temps. On n'a plus le choix. Il y a beaucoup de Noé ici que Dieu va restaurer. Parce qu'il faut que les gens, faut qu'ils entrent dans l'arche. Des hommes qui étaient brisés par la religion, blessés par des pasteurs que le Seigneur va restaurer. De plus en plus, des femmes qui ont été écrasées, blessées, et à qui on disait que le Seigneur ne pouvait pas se servir d'elles. Le Seigneur va les restaurer et se servir d'elles comme de boules de feu pour aller allumer, embraser des quartiers entiers, des villes entières, des pays entiers, des nations entières, tout ça. Alléluia, Jesus Christ, alléluia. Des femmes avec une onction puissante de Dieu. Yahweh, 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 Yahweh. Jesus Christ, Holy God, la nuée. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, tu es mon espérance, Yahweh, 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 tu es mon espérance, Jésus. Oh, nous t'aimons. Nous sommes là pour toi, Seigneur. L'amour de ma vie, c'est toi, Jésus. Oh, chérie, doudou, oh, Yeshua, oh, mon espérance. Tu m'as aimé, l'amour de ma vie, Jésus, mon espérance. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh Père, oh Père, nous voulons te bénir, Papa. Merci pour l'Europe. Merci pour les Français de souche, mon Dieu. Merci pour les hommes et les femmes des îles. Merci pour les Africains, mon Dieu, mon roi. Pour les Arabes, les Maghrébins, les Nations, les Métis, mon Dieu, les Chinois. Merci pour les Indiens. Merci pour les Asiatiques, mon Père. Merci, Dieu. Tu es mon espérance. On t'appelle Adon, Elohim, El Shaddai, Père, moi je t'aime. Père, nous t'aimons. Père, nous voulons t'aimer. Nous voulons t'exprimer notre joie, notre amour pour toi, Seigneur. Oh Père, oh Père, oh Père. Nous voulons nous approcher de ton trône encore ce matin. Yahweh. Oh Père. Nous voici. Tu veux qu'on t'adore et nous voulons t'adorer, Seigneur.
Yahweh. Oh. Oh Seigneur. Oh Père. Oh Père. Holy, you are holy God, you are holy, you are holy. Father, oh. Dis-lui ce que tu ressens pour lui. Dis-le-lui ce que Dieu a fait pour toi. Dieu saint, 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 et Yahweh, saint et mon amour. Tu es saint, saint. Oh saint, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, mon Dieu. Father, we love you. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Il a tout chef, un tout bas. To say that you're my God, so all together lovely. Wonderful to me. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre, ô Père. Ô mon Dieu, ta majesté, ô Seigneur, en toi tout ne que grâce, ô. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Oh, je me reçois la gloire, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Papa. Ta majesté. Il est là. Admirable. Oh mon Dieu. Tu es si bon et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Seigneur, jamais le prix de tout ce que tu as subi. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Père. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Maranatha. Maranatha. Revienne à ton âme. Elohim. Alléluia. Le roi dans sa beauté. Père, merci. Nous voulons t'adorer. Veux-tu. Oh Père, reçois la gloire. Nous sommes ici pour toi, Seigneur. Tu nous as appelés pour t'adorer, mon Dieu. Nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons que tu reçoives toute la louange, Seigneur, mon Dieu. Oh Père, reçois l'adoration. Reçois la louange Adonai et nous renouve. S'il te plaît, reçois la gloire, Papa. Au son de sa voix. Oh Seigneur. Oh, 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 combien oh, 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 il est là. Chante-le. Il est là. Combien il est là. Dieu est bon. Nous tous verrons combien. Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le comme il y a. Dieu est grand. Où tous verront comme il y a. Seigneur, mon Dieu, mon roi, paix. Je chanterai combien Dieu est grand de tout mon être. Alors, c'est Seigneur, merci. Dieu tout-puissant, que tu es bon.
Dieu tout puissant, que tu es grand. Ô Seigneur mon Dieu, ô Seigneur mon Dieu, ô Seigneur, ô Liga. Adonai, tu es vraiment merveilleux, Adonai, oh, Adonai, Adonai, il est là, oh Père, tu es vraiment merveilleux. Gloire, reçois la gloire, Père mon Dieu, reçois la gloire, Seigneur mon Dieu, mon roi. Elohim, 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 tu es vraiment merveilleux, Elohim, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Tu es vraiment merveilleux, Jésus-Christ, Yahshua, mon Dieu. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es vraiment merveilleux. Porte et le revolento, que le roi de gloire fasse son entrée. Est-ce qu'on peut lui faire des bisous et vraiment, vraiment le bénir encore, Seigneur, merci. Waouh. Ouh, Seigneur. Waouh. Waouh. On peut s'asseoir, alléluia. Waouh. Waouh, ça va être magnifique. Il y a des vagues comme ça, des vagues d'onction qui viennent, qui venaient. Waouh, oh c'est beau. Je vous dis, je sais pas, je suis comme saisi là, et des vagues comme ça, ça. Waouh. Qui aime sa présence? C'est beau. En fait, je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous. Je pense que vous ne me comprenez pas non plus. Hein. Donc, je ne sais pas. Donc, c'est comme ça. On est dans sa présence. Et puis, voilà. On s'attend à Dieu. Il n'y a pas de programme préétabli. Il n'y a pas de bon, à telle heure, on va commencer telle chose. Ben, c'est lui qui dirige. On dit bien que l'Esprit est venu pour nous conduire, non? Alléluia. Mais c'est ça. On n'est pas des théologiens avec une feuille, tout ça, là, le sermon. Quand on arrive comme ça, on est tous comme des enfants hein, devant son trône et on s'attend à lui. Alors, ceux qui se disaient, on va aller voir ce monsieur, ben, écoutez, je n'ai rien à vous dire. Hein. Si ce n'est que ce que Dieu peut nous dire. Alléluia. En fait, il y a beaucoup d'anges qui viennent et ça danse, ça tourne, là, ça chante et. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Lord, courage. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Comme l'échelle de Jacob, là. Vous savez, c'est. Oh, Alléluia. Le Seigneur va prouver à son peuple, prouver au monde entier qu'il est Dieu. Dans toute la France, mes amis, là. Alléluia.
La puissance de Dieu va faire reculer l'islam là au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu a une armée en France ici, mes amis là. Son armée va se lever dans la prière, dans l'intercession. Oh, alléluia. Il y aura des guérisons, des miracles, des délivrances. Des... Oh, alléluia. Wouh! Jesus. Ah oui. Oh oui. Quand le roi marche, mes amis, là, alléluia. Les démons sont à genoux, mes amis, là. Quand le roi se lève, mes amis, là, l'univers tremble. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, oh. Les temps de restauration sont... Voilà, nous sommes dans un temps de restauration pour les élus. Ah oui, pour les élus. Alléluia, pour les élus. Voilà pourquoi Dieu donne de plus en plus des chants nouveaux comme ça, là, alléluia. De plus en plus, tu es saisi, là. Tu vas achever l'œuvre pour laquelle Dieu t'a appelé. Alléluia, alléluia. Toutes ces âmes que tu dois gagner dans le royaume du Père. Alléluia, tu vas les gagner au nom de Yeshua. Oh, alléluia, glory. You are Holy God. Oh, Holy God. Comme des guerriers, comme des guerrières, comme des soldats, des soldates. Adonai, alléluia, tu marches au nom de Yahweh. Eux, ils marchent au nom de leur Dieu, de leur démon, tout ça là. Mais nous, nous avons le nom de Yeshua, alléluia. Nous allons prendre la bannière de Yeshua, l'étendard de Yeshua, alléluia. Nous allons défendre la vérité dans toute l'Europe, dans les nations, mes amis, au nom de Yeshua, alléluia. Et alléluia. Et les prophètes de Baal seront à genoux au nom de Yeshua. Oh, alléluia, les prophètes de Baal seront que il y a l'armée de Dieu, alléluia. Jesus Christ. Il y a une église que Satan ne peut pas détruire. Il y a l'église de Dieu que Satan ne peut pas détruire. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Oh, alléluia. Jésus a bâti son temple. Dans ta vie, tu es le temple de Dieu. Alléluia. Qui peut te tuer? Qui peut te détruire? Qui peut? Oh, alléluia. Il a dit que nous marcherons sur les serpents et sur les scorpions. Il a dit, oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh, il y a quelque chose ici, là. Il y a le feu du réveil, là, ici, là. Oh, alléluia. Il est là, il est là. À genoux, Jésus est là, s'il vous plaît. Inclinons-nous. Ceux qui peuvent s'incliner, mettez-vous. Porte, élevez vos linteaux que le roi de gloire fasse son entrée en ce lieu. Jesus. Sa présence, sa sainte présence. Sa sainte présence, la Shekinah de Jésus, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. C'est ça la gloire. La gloire arrive, la gloire arrive, la gloire arrive. Les 24 vieillards, les 24 anciens se mettent à genoux devant le Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue doit confesser que Yeshua est Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, nous sommes là pour toi. Tours a besoin de toi, Seigneur. La France a besoin de toi. Les Français de souche ont besoin de toi. Les nations, les Africains, les Arabes, les nations, les Métis, les Chinois, les Indiens. Seigneur, nous sommes là pour toi, mon Dieu. Nous sommes là pour toi, papa. Oh, fais ce que tu veux en ce jour. Fais ce que tu veux. Conduis-nous comme tu veux, Seigneur. Nous voulons être sensibles à ton esprit. Nous voulons être à l'écoute, Saint-Esprit. Merci. Merci Seigneur de guérir nos blessures, Seigneur mon Dieu. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Le Seigneur te dit, ma fille, je te connais. Ma fille, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ma fille. Alléluia. Tu es ma perle, tu es ma perle. Le Seigneur te dit là, tu es comme cette pierre précieuse là, tu es cette pierre précieuse que je façonne encore en profondeur pour ma gloire. Alléluia. Personne ne touchera à ta famille, à ta vie. Là. Oh, alléluia. Le Seigneur dit, mon enfant, alléluia, bannis l'inquiétude, bannis la peur. Alléluia, bannis la peur, bannis la peur, bannis la peur. Jesus Christ. Nous élevons ton nom plus haut comme une bannière.
Dieu dit qu'il est là. Nous élevons ton nom. Il est là, notre Père. Nous élevons ton nom. Merci, Papa. Les francs-maçons ne peuvent pas te détruire, mon enfant. Les rosicruciens ne peuvent rien contre toi. Souviens-toi que tout est accompli. Te dit le Seigneur, tout est accompli. Tout. Qui peut empêcher Dieu d'agir? Qui peut interdire au Créateur d'accomplir son projet, son plan dans ta vie, dans ta famille? Qui? Il n'est pas encore né et il ne naîtra jamais. Jamais. Le Seigneur t'a sorti de cette assemblée, de cette église, parce que tu es dans son royaume, parce que tu marches dans son royaume, parce que tu suis son royaume, parce qu'il t'a établi comme roi, parce qu'il t'a établi comme prêtre. Et tu dois suivre le vent de l'esprit. Tu vas marcher à contre-courant, à contre-vent. Ne cherche pas à ce que les hommes te comprennent. Car le Seigneur te conduit comme le vent, comme le vent. Comme du vent. Tu es comme une flèche entre les mains du Père. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Alléluia. On aime cette présence. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette présence, ne soyez pas choqués, étonnés. Nous aimons la présence de notre Dieu. Nous ne sommes pas des religieux. Nous aimons la présence du Père. Cette nuit, comme souvent, c'est souvent le cas, il m'a réveillé vers 3 heures. Je me suis couché vers minuit et il fallait l'adorer. Et sa présence est venue. Ah. C'est notre Père. Ouais. Quel ami fidèle et tendre. Le Père est là. Vous savez ce qui se passe là? Sa robe couvre ce lieu. Tout le bâtiment. En fait, c'est que sa robe a formé. C'est une espèce de tente. C'est comme une tente. Voilà. Et on est là. Et tout autour, et à l'intérieur, il y a des anges. Il y a comme de la fumée, la nuée. La Shekinah, la gloire de Dieu. Et là, dans cette présence, le Père guérit, il restaure, il délivre des femmes qui étaient blessées. Dieu les guérit. Des hommes qui étaient blessés, le Père les soigne en profondeur. Il les rassure. Des personnes qui avaient péché, Dieu leur pardonne. C'est comme un garage. Et le Père est en train de restaurer, de réparer les cœurs en profondeur.
C'est ça qui est magnifique avec notre Père Céleste, avec notre Dieu. C'est un papa. Ou je dirais, c'est le Père. Waouh. Magnifique.